L'ami? Oui. Bonne journée à vous. À vous aussi, monsieur. Tu peux trouver comment contourner la porte verrouillée? Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain, pas notre bière, notre pain. Tu veux qu'on meure de faim? La levure. Tu le sais Red MacRaes, monsieur. Le bannisseur. À votre service. Et vous êtes ? Bachelor. Yug Bachelor. J'étais l'instituteur de New Eden. À l'époque. Je n'ai pas besoin des services d'un hérétique aujourd'hui. Ni moi, ni les gens de New Eden. Il a l'air sympa. Rien d'inhabituel à signaler. Vous parlez de la maladie qui ronge le tissu même de notre belle communauté. Nous avons condamné le puits, fermé les maisons, et nous avons prié. Sans succès. Et, à part ça, vous avez remarqué des comportements étranges? Je dois savoir. J'ai vu la brasseuse, Madame Barrow, rôder près du puits. Elle avait les mains dans les poches et triturait ses herbes. D'ailleurs, avant que la maison de Caleb Watson ne brûle avec sa femme et son frère, je l'ai entendu avoir une discussion virulente avec lui. On aurait dit qu'elle l'avait maudit. S'il y a sorcellerie au Herse, je commencerai par là. Si je voulais lui parler, vous savez où je peux la trouver? Elle s'occupe de la brasserie et y concocte Dieu sait quelle sorcellerie et malice dans son chaudron. Je vais devoir vous laisser, monsieur. Que Dieu vous protège, je ne le ferai pas. Je crois qu'on a... Ce n'est que justice. On refera notre vie. On leur chie dessus. Ils peuvent pas nous faire de mal. Comment t'as fait pour qu'ils l'embrassent à nouveau? Monsieur? Monsieur, est-ce que tout va bien? On est fermé. Ah, allez-vous-en! Partez! Cassez-vous! Cassez-vous! Je vois à votre attitude enjouée que vous ne m'en voudrez pas de vous poser quelques questions. Je suis Red MacRaes, bannisseur. Je cherche des preuves de sorcellerie dans la région. Et je vois que vous mourrez d'envie de m'aider. Je vous conchis, toi et ta sale gueule. Il n'y a pas de sorcière ici. Il n'y a que moi. Caleb Watson. Le gouverneur m'a demandé de patrouiller. Vous n'avez rien vu de bizarre? Pourquoi il poserait cette question? Tout le monde a des secrets. Et je suis doué pour les découvrir. J'ai pas de secret. J'ai rien fait de mal. Fouille ma maison si tu me crois pas. Tu verras bien.
Quand t'auras terminé, tu pourras revenir me présenter tes excuses si t'es un homme. Et après ça, t'iras bien te faire foutre. Tu cherchais quelqu'un qui se comporte bizarrement? Je crois que tu l'as trouvé. Je vais vous laisser tranquille pour l'instant. Le problème, c'est que mon sens de l'humour ne va jamais me laisser tranquille, lui. T'as entendu? Elle est pas bonne, celle-là? C'est mal. C'est très mal, c'est mal, je te dis. Être courtisé par deux frères, ça finit rarement bien. T'inquiète pas. Tu parles en connaissance de cause. Ne commence pas. Ils vont partir, tous les deux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du métal ni du bois. Des os. Ce sont des os. Charmants. Ruth et Alexander Watson, la femme et le frère du cordonnier. Il est sûrement hanté. Mais où est le fantôme? Je pense qu'on doit parler à Caleb Watson. Ne t'inquiète pas, il va bientôt partir. Ils vont partir, tous les deux. Ça y est, c'est bon! Vous avez fini de foirer votre nez partout! Vous avez dit que vous n'aviez pas de secrets. C'était un mensonge, pas vrai? Tout le monde a ses secrets. Je peux sentir tes secrets d'ici, camarade. Je vous chie à la gueule. Toi et tes questions de merde. Tu ne l'auras pas de manière frontale. Travaille-le au corps. Prends ton temps. Il y a des débris brûlés derrière chez vous. J'y ai trouvé des os. D'où viennent-ils exactement? Vous avez vraiment rien d'autre à foutre que de fouiller dans mes ordures. Ça vient de la maison. Peut-être. J'ai lu votre lettre pour Ruth. C'est évident que vous l'aimiez. Et l'infidélité d'Alexander, c'était la vérité? Mon nom est Caleb Watson. Et je jure devant Dieu, devant toutes les personnes ici présentes, que la lettre écrite à Ruth n'était qu'un tâture. Parce que je convoitais Ruth, sa bien-aimée, j'ai cherché à pourrir la réputation d'Alexander. Et je suis qu'un petit con. Vous êtes honnête. Vous n'avez pas l'air de regretter, par contre. Non. Le passé est le passé. Mort et enterré. Mon frère n'est qu'un vieux souvenir. C'est terrible ce qui est arrivé à votre femme et à votre frère. N'aurait pu vous aider si vous en aviez parlé. Ça doit être dur pour vous. Je peux vous demander où ils sont enterrés? Je chie sur mon frère. Et je chie aussi sur vous. Ils sont tous les deux 6 pieds sous terre au champ du repos. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous chie à la gueule. Caleb, que se passe-t-il au champ du repos? Va chier avec ton champ du repos. Cassez-vous tous les deux. Le champ du repos ne vous regarde pas. Vous devez me dire ce qui s'est passé là-bas. Arrêtez de vous cacher. Il s'est rien passé. Enterré, tous enterrés. Toi, ferme-la. Et toi, je t'ai dit qu'il s'est rien passé. Alors maintenant, casse-toi. Peu importe ce qui s'est passé, ça a eu lieu au champ du repos.
penses quoi de Caleb ? Toi d'abord, jeune homme. Il est hanté. À tel point qu'il en est devenu fou. Par Ruth et Alexander, peut-être ? Peut-être. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Rassemblons plutôt des preuves. Le champ du repos. Le champ du repos. Il est trop lourd pour le baisser de ton côté. Nous y voilà. On doit trouver les tombes de Ruth et Alexander pour comprendre pourquoi Caleb agit de manière aussi étrange. Quelque chose de caché. Quelque chose de mauvais lié à cet objet.
pas faire, toi, hein? Je crois que j'ai entendu le bruit d'un fusil qu'on arme. Tu crois faire le poids face à un fantôme? C'est un fémur? Je pense que je vois une rotule. Bon appétit. Des pierres de tombe? Oui. Mais qu'est-ce qu'il volait au juste? Route Watson. Il y a une autre tombe en dessous. Des leurres pour détourner l'attention des spectres rétifs. Rudimentaire, mais visiblement quelqu'un avait un peu d'entraînement. Si ce sont des croque-morts qui ont fait ça, ils devraient changer de métier. Il n'existe aucun métier qui convienne à ceux qui ont fait ça. Si gisait Alexander Watson. Est-ce que Caleb a pris leur corps? Peut-être pas lui, mais c'est mon principal suspect. Eh ben, c'est pas beau à voir. Les leurs pourraient nous montrer le chemin. Suis le chemin. Ne t'approche pas trop. Je vais essayer. Par ici. Il y en a d'autres. C'est de ça que je parlais quand je te disais de ne pas trop t'approcher.
de la démonologie. J'aurais dû m'en douter. D'abord, on en discute un peu. Les corbeaux répondent à son appel. Fais gaffe. Ce moissonneur a changé de forme. Du physique au spectral. Ça leur arrive. Tu l'auras la prochaine fois. Fléau vicieux qui méprise les vivants. Sur ces terres. Quelle surprise. Des sanctuaires. Maintenant. Avec des os. On dirait le boudoir de Lady Blackwood ici. Une partie de l'histoire attend d'être révélée. Eh, salut toi. T'es bien répugnant, hein. Répugnant, oui. Mais aussi mal fait. C'est vraiment du travail bâclé. Tu es sûr qu'on n'a rien manqué? Avec un peu de chance, on y trouvera ce dont on a besoin. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une version foireuse du rituel de Palingénésie mineure. Le rituel de... Ce rituel-là? Celui qui peut amener quelqu'un? Ce rituel-là? Oui. Ce rituel-là. Je lève, pour l'instant, le voile des ténèbres. De la chair au verbe. Du verbe au cœur. Du cœur à la chair. Le nœud de la mort est intact, et je le trancherai.
Caleb Watson a invoqué un fantôme sans lui offrir de corps à habiter. Donc le fantôme a pris le sien. Caleb n'est plus Caleb. Il a invoqué le mauvais fantôme en plus. Il a utilisé des morceaux de sa femme, mais aussi de son frère. Ruth, Alexander, Caleb. Ça doit être une combinaison des trois. Allons voir de qui il s'agit. Dégage-toi! Puissant vous étiez, faible vous partez.
Qu'est-ce qui rôde ici? Au travail, bannisseur. J'en viendrais presque à croire que ce nid de spectre n'attendait que moi. Révélez votre vraie nature. Je peux participer aussi ? Face à un fantôme. Est-ce qu'on en a oublié? Un fantôme ? Attention ! Une possession spectrale. Ils ont amené des amis. Est-ce qu'on en a oublié ? Tu peux y mettre plus d'entrain ? Thank you.
Ce que c'est. Oui. Il y a quelque chose ici. Sois prudent. C'est plein de chasse fantômes. Plus de chasse fantômes. Merci. Détruis ces chasses fantômes, si tu veux que je revienne. Le voilà. C'est bien moi. Prends ça, cadeau. Dégage de là! Dépêche-toi! Garde-moi ça! On a touché sa porte sensible. Tout un temps, je comptais les loups que j'avais tués sur le doigt d'une seule main. Je crois que j'ai entendu le bruit d'un fusil qu'on arme. Retourne en enfer! Red, je ne peux plus me manifester.
Quelque chose me bloque. Des chasses fantômes. Yeah!
Ça, c'est maudit, c'est sûr. Quelque chose me bloque. Des chasses fantômes. Des chasses fantômes. Il va me falloir un coup de main. Voilà qui est mieux. D'un tronc après avoir été effrayé par un pont. Appelle-moi si tu as besoin. Quelque chose, c'est proche.
Avec les bons mots de pouvoir, on devrait réussir à forcer les spectres du coin à se manifester. Silence et un feu de camp. Exactement ce que le docteur Duarte a prescrit.